Dans la continuité logique de cet engagement, je le redis ici, il est temps d'avancer. Alors, pour justement répondre à votre question sur l'avancement, avancer, c'est peut-être tout d'abord en vue d'une solution pragmatique, réaliste, durable et fondée sur le compromis. Pour cela, nous soutenons les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies en vue de la reprise des tables rondes, et nous appelons toutes les parties concernées à s'y engager de bonne foi. Avancer également en prenant en compte les intérêts et les besoins des habitants de ce territoire, notamment dans les domaines éducatifs et culturels. Il existe deux écoles françaises, à Darba et Lamy, qui existent déjà. L'Institut français a récemment déployé, d'ailleurs en étroite collaboration avec des partenaires locaux, un centre culturel itinérant dans les villes de Bayoun, Boudour et Darba, qui d'ailleurs rencontre un vif succès. Avancer enfin, peut-être, c'est pour favoriser le développement économique et social de ces régions. Le Maroc a beaucoup investi dans des projets de développement au bénéfice des populations locales, c'est un fait. Et en matière de formation, d'énergie renouvelable, de tourisme ou d'économie bleue liée aux ressources aquatiques, nous accompagnerons le développement de cette région en appui des efforts marocains. Voilà la position aujourd'hui de la France. Et voilà notre position sur le Sahara.